Monsieur le Sommelier, reporter la séance plénière consacrée à l'octroi des pouvoirs spéciaux de notre gouvernement à demain matin 10h. Cette séance avait, dans un premier temps, été annoncée ce jeudi à 17h30. Une question de timing, semble-t-il. À Bruxelles, les chauffeurs de taxi demandent l'arrêt de leurs activités. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que leur métier reste une profession essentielle. Le secteur des taxis et le syndicat CFC Transcom demandent donc l'arrêt complet des activités. Et selon le collectif des ouvriers taxis, l'emploi dans le secteur a baissé de 75 à 80%. Les entreprises de taxi mettent d'ailleurs leurs travailleurs en chômage temporaire. Les chauffeurs indépendants de leur côté subissent de lourdes pertes. Au niveau des transports en commun, le TEC passe en horaire de vacances jusqu'au 18h inclus, je vous le rappelle. Cette mesure est désormais en application dans toutes les zones de Wallonie. Les lignes vers les hôpitaux sont quant à elles renforcées afin de permettre au personnel soignant de rejoindre son lieu de travail. On vous rappelle aussi que le nombre de passagers à bord des bus est désormais limité, 5 maximum pour un bus standard. À l'aéroport de Zaventem, là-bas, on n'a plus que 5% des vols passagers prévus, tant à l'arrivée qu'au départ du terminal. Charleroi, quant à lui, a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Et puis sur les routes, la police effectue des contrôles très stricts de toutes ses frontières avec le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Enfin, en ces temps de confinement et avec le beau temps dont on profite tout de même, vous êtes nombreux à aimer travailler au jardin. Voilà pourquoi certains pépiniéristes, horticulteurs et jardiniers qui ne peuvent plus accueillir de clients, ont mis en place des services de livraison sans contact. La liste de tous ces professionnels est disponible sur le site de l'APACW. Sachez aussi que ces professionnels se font un plaisir de vous donner quelques conseils. Par exemple, en ce moment, c'est bien de préparer le jardin en taillant les vivaces, les arbres fruitiers, les rosiers ou encore les graines. Mais par contre, il est déconseillé pour les plantations. Pourquoi? Parce que le gel nocturne n'a pas encore mis son dernier mot. Merci à nous, c'est bon, on peut dire ça aussi. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, ce sera juste avant 18h.